s'appelle Fresca Savo. Si vous entrez vers l'aéroport de Ndolo, voilà, nous déchargeons les conteneurs. Na balandé fantastique info tozo continuer la découverte na biso. Donc lelo c'est un numéro un peu spécial le linga to lobela oignon litungu le zali na moto morote za bata malade mo ba pexer litungu la zali te to lia kango chaque jour ba so ba lia kango na maki biso ba lia kango na biloko tout mutuna sa lia ka litungu lo ma. Et voilà notre pays par rapport à monene na yango. On voulait savoir un peu ce qui va produire rapé. S'il y a aussi la production, il y a au niveau de la RDC. Et on te comment qui se replace dans le marché à Zikida pour nous recouter un an déco millionnaire de la Bengare. Ouazali Bongo, homme d'affaires, à Salaka, à Zouakalma Moka Papaya, oignon. Donc, n'est-ce pas que vous avez fait un copanzabiso secret, n'est-ce pas que vous avez fait un détail, mais. C'est une version audio parce qu'il ne voulait pas, il n'a pas accepté de jouer en image, mais on vous a réservé quand même la version audio autorotale. Merci. Voilà, Mbote Balandignon sur la Fantastique Info. Tozali en direct, il y a Ville-Province à Kinshasa. Et comme on avait dit, les lots découvertes, les alliés production, il y a Oignon. Oyoyo, et Zang, on a mis le côté de partout. Toza na précisément na marché à Zikida où to kutani na grossiste et où s'est présenté pe boroyé ba détail na ye motende mote papa to yo ba komo na komo na ngaye Emma mais awa na marché millionnaire. Millionnaire. Ouais. Voilà ndeko millionnaire topesio vraiment merci na ndenge on dimion ya o ya mabiso na kati ya bureau na yo même si on reste en version audio to respecter option na wana. Oko sitié marché to zali ezali wapi? Oui, Tozana Zigida. Zigida est dans la commune à Kinshasa, entre presque Savoubu et Bokassa. Ils sont venus Dima. Ah, Tozana précisément à numéro 85. Voilà. Et ça fait combien de temps où existe le commerce à Oignon dans la République démocratique du Congo? Bon, c'est déjà presque 6 ans. C'est depuis 2016. Et puis, Tobanda a importé depuis 2017. Voilà, donc ceux qui ont l'insertion de ça, c'est pas une production locale, c'est une production outil Libanda. Oui, ils ont importé. Local, ils ont importé. Pourquoi vous avez un local? Qualité, ça a bien été au problème. Bon, souvent, local, l'oignon, na mukilmo bimba et bimara na récolte dans le mois de juillet. Dans mon kilimo bimba, je vous dis, il y a bisopé awawa et ça le mois de juillet, ils ont mingi na Congo central, na bas Congo, vu que production de la gp minime et qu'on a couvrir plus de 6 mois de besoin. Il y a voilà. Donc ceux qui ba production ça le pendant le mois de juillet, à partir du mois d'août tous auront un marché awawa et qu'en dégeti décembre comme on lit moi janvier vraiment ça la rassou pensate et comme a déjà ba janvier et comme déjà qualité ma bien comme pour là parce que ndenga conservation et paiement passe. Vous allez dire, mais quelles sont déjà des provinces au niveau local à RDC va produire ça? En fait c'est pas une grande quantité mais une quantité assez visible na Congo. Bon, côté toza a le roi toza na Kinshasa, na mona mingi mingi utaka na Congo central, na ba Congo et puis mwandambo utaka na Bandundu, mais mingi mingi ezalaka na Congo central. Congo central. Et bino seko bozo reproduire, bozo recourir na pays pour na bosa la importation na bino. Bon, awa oignon mingi mingi tozwa na Europe. Précisément en Hollande, en Espagne, des fois plutôt qu'en Égypte, en Afrique du Sud. Mais mingi, la majorité ont toujours consommé à Kinshasa pour le moment, et ça provenance de l'Espagne et en Hollande.
Voilà, donc c'est-à-dire ces pays où tu retends à Wana, ils sont capables. Il y a obtenu de la biso à Wana Congo. Bah au niveau même si tu allais dans la saison il y a juillet, sili, ils ont toujours des réserves. Oui, ça la ethnique comme la biso. Oui, bango c'est toute une année, hein, parce que production de la grande na tuyep ça y est au mois de juillet. Bah au banda ko exporté na mois d'août, septembre comme na Congo. Tito qui na bango ti mois de juin. Il y a année qui vient, c'est-à-dire dès que tu bandes dans le mois de juillet, mois d'août année passée, tu as dans le mois de juin. Ouais. Et bien sûr, je dirais que le terme il y a conservation, il y a l'oignon. Parce que là, ça semble sont des pays où le climat est un peu. Mali, les alliés moins mingi que Biswana Congo. Comment vous conservez l'oignon? Tout d'abord, il y a un conteneur frigorifique. Bah tiens un conteneur frigorifique ça l'a un mois et demi et commis na matadi et puis toki tozui na matadi quand on décharge hein donc au moment na ba image wana tant to décharger tozana ba plafonner to tiaka pour na kobeta malili wana ya conteneur pourvu que malili wana ici là alors ce qui malili wana ici là ça peut aller jusqu'à 2 ou 3 mois il y a conservation. Voilà, la conservation. Est-ce qu'il arrive à rappeler la quantité de bino oyo pour importer na Hollande, par exemple, et comme il y en a Congo, et vous livrez aussi dans d'autres provinces où vous allez, Zinga Zinga na Kinshasa? Oui, nous livrons. Donc, à partir de quand le Congo central ne produit plus, oui. Donc, le mois de janvier, parce que la production ya Congo central est sous la caca, décembre, mingi, qui est légèrement dès qu'il est janvier. Okay. Donc, à partir de février, juin, juillet, on va produire, topé sera Congo central, Bandundu, Équateur, Bayaga, Kusumba, et Panambiswa. C'est-à-dire que, nous avons été outils na Hollande, awa na Kinshasa sur place to teki awa bato ya Équateur bayaka kozwa Équateur zo kende ti ba mboka kati kuna okay. Bandundu eke mandaka nyoso tu ezongi lisusu na Congo central matadi donc partout Est-ce que en tant que grand commerçant il y a oignon na kati ya Kinshasa wa et arrivera te au penser il y a yomo repay parce que to ba ken RDC zo zali na plus de 80 millions de terres arables. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il se fait payer dans le monde de la vie pour que vous ne vous dise pas que vous ne vous dise oui, ngape na sala yango na zana mwa ferme na matadi na Congo central na Kimpese. Na sala mwa na lona ka mke. Vous savez à peu près combien d'hectares? Bon, pour le moment na zana 3 et 4 hectares. OK, yonyo. Na zobanga ka pe ku matisse hectares mingi pour na ndenge ya conservation. Okay. Parce que ceux qui ont matisse production makasi ça demande des coûts moyens. Il faut avoir ba entrepôt ya munene pour na ko stocker. Alors ba condition wana esenga mbongo pour na korenir ba condition pour na ko stocker à long terme. Alors voilà pourquoi des fois kota la pe capacité to zanango on n'est pas à mesure ya ko augmenter production mingi aussi le temps qu'on n'a pas encore trouvé moyen à conservation parce que l'important c'est la conservation au ko produire na yo mais ndenga ko conserver c'est difficile pour ezaba produit périssable ceux qui ba condition za réunité même ndenga to importera boy ceux qui ont réunir ba condition TP ya irasu za malamuté vous allez perdre votre argent. Voilà. Donc durée à conservation c'est juste 1 mois, 2 mois ceux qui mingi. Donc si dans le cas où marché za malamuté to kende ki to koma ka voisina ba 2 mois wana déjà produit qualité bandi déjà ko voilà, on entend que moto za na mosala wana déjà na 1 hectare ya oignon ce que l'oignon très bien respecté ba condition c'est ko bimselo quantité ni bon côté à production za kipema matata okay. Pourquoi parce qu'il faut ba agronome. Malheureusement, na Congo, tous les agronomes vraiment bas spécialisés mingi te côté à oignon. Okay. Le rôle na poto mingi le rôle nga na zora ba conseil na ba agronome européen. Tant que l'oignon oignon et singulaga mingi. Donc via iba YouTube la tutoriel. Oignon surtout on tous les partenariat. Ceux qui ont l'oignon et comme par exemple comme bim sa makasi coli après 1 mois puis ça l'aura 3 mois. Après 1 mois déjà il fallait que ça en dégaine ni que ça la de sorte que ba makasa ezala na vitamine mingi te pourvu que vitamine nyoso tout est constaté na kati kuna pour evimbisa oignon
Alors, bah, continuez wana pour préciser réellement que nous n'avons autant, ils ont paiement passé. Des fois, au cause on a assez, des fois. Et bah, après, il va combien de kilos? Bon, mingi, et ça l'a ba. L'orola, oui, l'orola, nani hectare moko, et qu'il y a 2 à 3 tonnes. Ok. Voilà, par là aussi, beauté kaka, bah, oignon par kilo, par exemple, dans mon yana 4 entrepôts, na yo, aux anaba filets, ils auraient pris par filet ou. Donc les filets, c'est européen, en gros, tout le monde pris par rapport à Nîmes. Bon, prix, normalement, le rôle de Zomo Nawana, ils ont 25 kilos. Il y a Europe. Donc, c'est-à-dire, on a ma tripote aux Anangos, ils ont un filet outil en Hollande. Donc, ils ont 25 kilos. C'est 25. Et 25 kilos, c'est combien? 25 kilos pour le moment, c'est 55 à 60 000. Ok. Maintenant, bah, prix, bah, par exemple, un gars IP, dans l'Ignateca, il y a des autres qui sont grossistes, détaillants. Oui, quand on a des gens qui sont grossistes, na qui sont dans le conteneur. Ok. Tout ça, bah, détaillants. Bah, gros détaillants, ceux qui sont là. Bah, on a des gens qui sont dans le et puis, bah, on a des gens qui sont dans le petit détaillant. Okay. Hein, donc, bah, on a des gens qui sont dans le alors, on a des gens qui sont dans la grandeur, et puis, ils sont différents. Ou, on a des gens 40-60. Ok. Grandeur okay. Minene wana. Et puis, minene. Minene. Et mingo il y a ma kisasa. Et grandeur ya minene wana 40-60. Et puis, tozana 35-50 na 60-80. Donc, 60-80 de ya minene makas. Mais à part ba grandeur wana, to ben yango ba calibre. Ok. Et zana ba calibre msusu, ba nonat, et ça. Et bi marapé. Et bi marapé. Mais awa mingi na Congo na biso, les gens préfèrent. Calibre nacé. Oh, il y a 35-50. On écoute belle, je pense. Non. Pourquoi? Parce que ma grandeur n'a pas été. Parce que j'ai 100 fois, j'ai des savis, hein, conditions, yamboka, mboka. Mais, et pas dans Bango Mindele, et il préfère Yaminene. Il préfère Yaminene. Donc, Yangoana. Voilà, ton dieu vraiment beau ton dit pour y a tant on est disposé pour na biso au Kabul à savoir na yo. Bisous Ali, on a toujours les canaux de Fantastic Info. Ceux qui opposent 8 ans, obéti na internet, na YouTube Fantastic Info, au moins na vidéo de Salina Yoa. Mais pour na ko chité, na linga qui n'a pas vraiment micro. Ben de quoi zolanda de partout, ben de quoi yo, au bas Ali, même sous na moka bapa ya, au bas zolanda yo, na mincho na Fantastic Info. Conseil ni Europe sa moto, au alinga investir, c'est-à-dire allons na oignon, par exemple na kinancele, alingolo na oignon, par exemple na malouku, alingolo na oignon. Par exemple, na Massina, to na Sekomaf, on a conseillé ni okopé ça. Pe ami balé soki par exemple, motomoka monani a disposé ba mbongo belé pour na rosala oignon, yo tika ko zo oignon na mbongo ba paya, e ko za possible. Banana la question liboso. Bon, conseil na kopé ça au moins na mbongo na biso et singele biso moko to comme indépendant. Tozana ba volonté wana. Parce que tant que biso to bandaka ko teka to komi ko importer to jipe li kanisike biso mo repé to koma kolona. Alors conseil na ko pesa bandeko bata la kaka te o loso masango parce que tozana biloko yo ça se mange tous les jours. Il y a personne o ya ki ko lia biloko sans ki atia litungulu na kati soki o mo lokola ya ai. Aïe, défaut qu'on a pour la raison à sa tête, tout le monde qui a été fait, papa qui a été fait. Mais Matungul, c'est tout le monde qui en consomme. Tout à fait. Et puis, ce qui est, Moutazana Posa aïe à s'investir. Conseil à copier ses athées qui abandonnent à importer le Kolanga. Narosi Pila, aïe à Toko Makolo, Nabiso Moko. Pour la longue permettre de émerger, dans le sens où on a tout ce qui est importé, le roi toujours importé dans Mboka Bapaya. Deuxième question, on est ouvert, on est homme d'affaires. Ce qui est mouta c'est pelé ou partenariat na moutou aya pour tout banda ko salamatungu là on est là tout boya te tourundima mais et singe l'inde to banda ko l'on abiso moko mais bah pas tout bak singa sou mon moutou n'a tout si c'est une abiso déjà bah graine y'a ko l'on a oignon bon somba ka ngope ou ta kawap oui graine to l'on to somba ka isa ba mingi ou ta kaka Europe au moins bah graine abiso awa wana Congo ce n'est pas comment périmété ce n'est pas traité. Ok. Ce n'est pas traité, mais non, ma graine habituée dans la Congo, wa, ils ont traité, ils ont dit, il a essayé, peu bon. Comment je peux faire pour hein, une conservation à long terme? Alors, babilo ko wana nyo sutu, ils ont kota na kati. Le rôle angai, on gagne alors na ka, graine nyo sutu na importaka. N'importe ka, mingi kana Hollande wana, na zwa ka na tindi, et puis, yelinga na loni.
nazolanda conseil eti ndenge to koma na production. Voilà bande ko zolanda biso à partir Hollande. Boza vraiment na mosala ya kokomela biso solo. Labo bita les appels solo nenge nini ba production ya ba onye sala marakuna. Sino to passivement ndeko na biso, merci pour la disponibilité na yo. Na ndenge lingi o partager savoir faire na yo pe savoir na yo na nzela ya fantastique info ba to Hollande mokili mobima. Mais to sepela mikolo ya so pe bengi biso talata 3 hectares ya onye na Congo central te rozala vraiment na nesengo mingi parce que tout ça ba gene auto telemi to moni ki na nzela ibilanga nembo ka biso ko tombo mama. Merci beaucoup Ndeko. Merci Nabino Pena. Ndeko. Merci.